Voilà peut-être maintenant celui qui peut perturber la hiérarchie actuelle de cette finale du sol masculin avec, je voulais souligner avec Michel Boutard, les meilleures notes ont été obtenues par Steve Geria, 9,50, et Fabrice Gelzec, 9,40. Mais attention à l'Italien Rossato. Voilà, qui nous présente un joli double salto arrière tendu en première diagonale. Une série avant, saut de main, salto avant tendu enchaîné. Quelques passages chorégraphiques sur la médiane. Une vrille en avant. Beaucoup d'élégance. Alors le sol ne fait pas partie des agrès forts des Italiens, mais par contre ce sont des gymnastes qui sont assez précis, élégants et auxquels il est difficile de retirer beaucoup de fautes d'exécution. Double arrière groupé. Alors, est-ce que le programme acrobatique sera suffisant pour essayer de dépasser les notes des deux Français, 9,50, Gelzec 9,40. Ça serait formidable pour Steve Geria d'être médaille d'or. Il reste évidemment à savoir si les juges vont mieux noter l'Italien.